Ce jeudi, des responsables du gouvernement chinois ont annoncé aux médias des progrès constants dans la production de céréales, avec des récoltes exceptionnelles pendant 19 années consécutives, en ajoutant que le pays avait atteint l'autosuffisance de base en matière de céréales et la sécurité absolue en ce qui concerne les graines de base. Le taux d'autosuffisance en denrées alimentaires de base dépasse 100% et ce chiffre est largement supérieur à 95% pour les céréales. Notre production céréalière par habitant s'élève à 483 kg, ce qui est supérieur au seuil de sécurité internationalement reconnu de 400 kg. Par ailleurs, le marché des céréales a fonctionné sans problème malgré les fluctuations observées sur le marché international des céréales ces dernières années, en raison des tensions géopolitiques et de la pandémie. Les prix des céréales en Chine sont restés relativement stables et le marché intérieur des céréales a toujours été soutenu par une offre adéquate. Outre l'approvisionnement alimentaire, les responsables se sont également engagés à déployer des efforts pour garantir la sécurité alimentaire en améliorant la gouvernance du secteur basée sur la loi. Par la suite, nous allons accélérer le processus législatif en matière de sécurité alimentaire et améliorer l'application de la loi. Nous sommes déterminés à remédier à la corruption dans les achats de céréales et à améliorer le mécanisme de régulation afin de préserver résolument la chaîne d'approvisionnement et les intérêts de la population.